mais je rose et partir. Chez eux, on ferait mieux de porter plainte. Rosalie est ma femme. Le vrai couple était son mari et sa belle-mère. Je suis partie parce que j'en avais marre d'être une victime, celle qui est en trop. Moi, j'ai toujours vécu seule. À la reconquête du bonheur perdu... Vous avez diffusé son signalement. Rosalie perd un peu les pédales. Tournez à gauche, là. Mais trouve une amie. J'aurais-tu voulu, c'est à la gare. Ouais, mais vous l'avez pas fait. Chacune est la chance de l'autre. Rosalie et Joséphine, à 20h55, sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, et bien comme prévu, la perturbation est arrivée. Elle a petit à petit envahi l'ensemble des régions, pratiquement, avec des ondées, des orages même dans tout cela. Donc demain, on va retrouver cette perturbation toujours présente, de l'instabilité, mais un tout petit peu moins quand même. On devrait avoir un petit peu moins d'orages. Alors, ce sera quand même beaucoup, beaucoup de grisailles, beaucoup de nuages sur l'ensemble du pays, avec quand même une poche d'éclaircies qui va s'étendre du sud de la Bretagne jusqu'au centre du pays, avec simplement quelques passages de cumulus. Ça s'améliore également du côté du golfe du Lion, où il y avait beaucoup d'entrées maritimes encore aujourd'hui, et même quelques gouttes. Demain, la tramontane va se lever et devrait dégager le ciel, donc on va retrouver des éclaircies également sur le sud de la Corse. Pas partout ailleurs, donc beaucoup de grisailles avec les restes de la perturbation sur les régions du nord et de l'est. Pas de précipitations sur l'extrême nord, mais beaucoup, beaucoup de nuages. Et puis on retrouve cette poche sur le sud-ouest avec là aussi des nuages, de temps en temps quelques éclaircies et des ondées. Alors, pour l'après-midi, eh bien, la perturbation s'en va par l'est et puis on va retrouver donc ce temps instable avec donc de temps en temps des averses localement orageuses, un petit peu moins d'orages, mais beaucoup de nuages, de rares éclaircies. Près de la Méditerranée, on va retrouver des éclaircies qui vont s'étendre jusqu'au Var, toujours du soleil sur la Corse, le vent qui se renforce un petit peu. Et puis, près des côtes de la Manche, on aura des passages nuageux avec simplement quelques gouttes possibles sur le nord. Les températures demain matin, pas de changement, ça reste assez doux. Nous aurons des températures comprises entre 7 et 9 degrés sur la moitié nord et entre 7 et 12 degrés sur la moitié sud. Pour les températures de l'après-midi, ça baisse un tout petit peu, surtout d'ailleurs sur le sud-ouest. Il y avait des températures encore très douces aujourd'hui. On a pratiquement atteint des 20 degrés, parfois dépassés. Demain, cette masse d'air sera plus homogène. On aura en fait entre 12 et 16 degrés sur la moitié nord et entre 12 et 18 degrés sur la moitié sud, donc des températures encore légèrement supérieures aux normales saisonnières. Pour la suite, lundi, nous aurons une petite accalmie avec quand même un risque d'ondée sur la plupart des régions. Mais déjà, on voit une perturbation qui arrive avec de la pluie, du vent de sud à 70 km à l'heure et des températures qui baissent un tout petit peu. Et puis pour mardi, ce sera à peu près comme demain, c'est-à-dire qu'on aura des ondées, beaucoup de grisailles et un petit peu de soleil quand même sur la Bretagne. Je vous souhaite une très bonne soirée avec nous. Demain, nous fêterons les Habibs. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Je rêvais d'un autre monde. Oui, je voulais tout foutre en l'air. Ce soir, les artistes jouent toutes les gammes de la fraternité. La culture, c'est le médicament de tous les problèmes. La première des choses qu'on doit apprendre à un enfant, c'est le respect de l'autre. À cette occasion, Isabelle Giordano réunit les plus grands. Je suis né en Algérie. Rwanda. Ghana. Brive-la-Gaillarde. Alger. Je suis né en Égypte. Quand la musique abolit toutes les frontières, j'ai rêvé d'un autre monde, ce soir, sur France 2. Tout le sport, avec les magasins But, partenaires des arbitres. L'a fait. Après 73 jours en mer, 6898 km de solitude, Maude Fontenoy est devenue la première femme à traverser le Pacifique à la rame. Cet après-midi, elle a coupé la ligne d'arrivée au nord de l'île d'Iwa Hawa, en Polynésie héroïque.
Salut, France-Suisse, pas de blague. Ce soir au Stade de France, les Bleus sont condamnés à gagner pour faciliter leur qualification mondiale 2006. Et le sélectionneur Raymond Domenech a attendu le tout dernier moment pour donner son 11 de départ. Vous le voyez, un schéma classique en 4-4-2, Trezeguet et Wilter à l'attaque. La seule surprise finalement, c'est Thierry Henry qui n'est pas sur la feuille de match. Henry touché au mollet suivra donc le match des tribunes. Et on va tout de suite retrouver Laurent Jaoui au Stade de France. Et Domenech a dû composer dans la douleur, on peut le dire. C'est vrai Céline, vous le savez, généralement Raymond Domenech aime bien donner sa composition d'équipe deux jours avant le match. Là, il a attendu le dernier moment, le dernier réchauffement, c'est signe d'une certaine nervosité, d'une certaine fébrilité. Les Bleus ont répété toute la semaine que ce match était important mais pas décisif, ce n'est que de la rhétorique. Car en fait, sans victoire ce soir, l'équipe de France se présenterait dans une situation difficile, aussi bien sur le plan comptable que sur le plan psychologique. Pour obtenir cette première victoire, l'équipe de France va pouvoir compter sur un stade plein, 78 000 personnes, et ça c'est une première. Demain, dans Stade 2, à partir de 17h50, nous reviendrons sur cette rencontre avec des invités, de l'analyse et du reportage. Merci Laurent. En attendant, hier soir à Troyes, les espoirs tricolores n'ont pas donné le bon exemple en éliminatoire de l'Euro 2006. Un match nul, un partout pour les Bleuets face à leur homologue suisse. La France avait pourtant ouvert le score sur une superbe frappe de Faubert à la 58e minute. Et 8 minutes plus tard, la Suisse va égaliser grâce à Zambella. Et malgré ce match nul, les Bleus restent néanmoins premiers de leur groupe. Et puis ça jouait aussi en Ligue 2 hier soir. Un résultat match en retard de la 27e journée. Match nul 3 partout entre Créteil et Montpellier. Il y a une vie après le tournoi Destination, la preuve, 23e journée au top 16 du top 16 et à une semaine de leur quart de finale de Coupe d'Europe, bras de fer musclé entre Biarritz et le Stade français. Un vrai cauchemar pour les Parisiens, Laurent Belet. Deux belles équipes, mais un petit match. Au final, une grosse victoire tout de même, avec bonus pour Biarritz, vainqueur 41-3. Quatre essais donc pour les Biarros. Le premier, après une longue action en bout de ligne, il reste le talent de Betsen. Magnifique dans cette prise d'intervalle. Il ouvre l'espace à Imanol Arinordoki, 16-3 à la mi-temps. Paris joue au ralenti, les Biarros le sentent. Un modeste coup d'accélérateur leur permet d'inscrire trois essais dans les 12 dernières minutes. Tout d'abord par Bidabé, puis par Nicolas Brusque, après un judicieux jeu au pied de Damien Traille. Biarritz gagne le point du bonus sur la dernière action du match. Betsen offre à Nicolas Brusque le quatrième essai. Une bonne préparation pour Biarritz avant la Coupe d'Europe face à des Parisiens qui encaissent plus de 40 points pour la troisième fois depuis le début du championnat. Ce soir, les Parisiens se retrouvent quatrième du classement à 4 points de Biarritz, à 5 de Bourgoin, le leader. Irrésistible sur son stade de Pierre-Agen face à Clermont, une victoire 27-19. Auréolé de deux essais, le premier magnifique. Une combinaison avec un ailier Janin dans la ligne pour envoyer l'autre ailier Forest jusqu'à l'essai. En deuxième mi-temps, Clermont résiste, mais Bourgoin force sa victoire une nouvelle fois grâce à ses lignes arrières et à Janin, auteur de l'essai décisif. Ce soir, Bourgoin, plus petite ville du top 16 et plus que jamais au sommet du rugby français. Et hier soir, en match avancé, toujours en rugby, le Stade toulousain a corrigé Brive 71-3. Grosse fessée, 10 essais, des brivistes très vite dominés dans tous les secteurs du jeu. Ici, le bel exploit personnel de Frédéric Michalap au départ de l'action. Cédric Emmens à la conclusion, une victoire éclatante qui va donner de l'élan à Fabien Pelous et à ses copains qui jouent en quart de finale de Coupe d'Europe samedi prochain contre les Anglais de Northampton. Enfin, pour être complet, sachez qu'hier soir, Narbonne a battu Castres 25-12. Ce club a l'esprit d'un grand d'Europe. Il ne lui reste plus qu'à décrocher la Lune. Pour la première fois de son histoire, Tours s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions de volleyball. André Garcia. Dès le premier point, le ton est donné. Une réception parfaite de Hubert Hainaut. Loïc de Kergré choisit son attaquant, Sloboda Marc. Tours est sur la bonne voie. Maître de la réception, les champions de France alternent les services puissants et placés. Le bloc est efficace, la marque devient préoccupante pour les Allemands de Friedrichshafen consternés. Les supporters de Tours eux-mêmes sont comme abasourdis. Sur une ultime erreur, le TVB remporte la première manche 25-18, le plus dur effet. Dès lors, Tours peut jouer sans entrave. La réception allemande souffre sur les services de Nikolov. La défense est impuissante devant les attaques tourangelles. Dans les mêmes conditions, les combinaisons de Friedrichshafen ne trompent personne. Le bloc français sait choisir ses objectifs. Son efficacité est terrible. À la passe, Loïc de Kergré peut isoler ses attaquants et Nikolov ne se prive pas d'une occasion de conclure. 25-21 et 2-0, Tours est trop fort.
Il nous offre des points spéciaux. De Kergrey va chercher une balle de l'autre côté du filet. Et Nikolov marque. Tour s'envole pour gagner 3-0 et 25-19 dans la dernière manche. Dominateur au service, au bloc, à l'attaque, Tour a su provoquer les fautes adverses pour participer demain à sa première finale européenne. Et pendant ce temps-là, au tournoi de Bercy, l'équipe de France de handball voulait sa revanche face à la Russie. Souvenez-vous, ce quart de finale perdu par les Bleus aux Jeux d'Athènes. Sur ces terres, cette équipe de France ne fait aucun complexe. Handball, tournoi de Bercy, deuxième match, deuxième victoire pour les Français en blanc, vainqueur de la Russie 32-26. Reste le plus important, l'hommage rendu demain aux trois jeunes retraités, Greg Anctil, Guéric Kervadec et Jackson Richardson. Pour Mulhouse, c'est fait, pour Grenoble, ça se précise. Hockey sur glace, Ligue Magnus, demi-finale. Vainqueur de Rouen 3-2 cet après-midi, Mulhouse se qualifie pour la finale. Hier, Grenoble, ici en bleu, a battu Tours 2-0. On sait que c'est des séries finales et que sur les séries finales, la difficulté, c'est toujours de pouvoir rééditer une performance qu'on avait fait à l'extérieur. Donc là, bon, bah, c'est réalisé, c'est très bien pour la suite. Grenoble mène sa série 2-1, quatrième match décisif ce soir. Le moral était déjà atteint, le physique en a aussi pris un coup. Los Angeles, championnat du monde sur piste, Arnaud Tournant éliminé sur cette chute sans gravité. Michael Bourguin termine seulement 10e du Kérin. Une nouvelle déception après leur 4e place en vitesse par équipe. Commentaire Gaël Robic. Une étape de plaine, une course de côte et un contre-la-montre. Ce week-end sur les routes du Critérium International à Charleville-Mézières, les coureurs français voulaient se montrer. Eh bien, il va falloir encore patienter, David Malarme. Ce matin, un petit air estival souffle sur Charleville-Mézières. Le soleil brille et les prétendants au prochain Tour de France sont sortis. Alexandre Vinokourov, Andreas Klöden ou encore Ivan Basso, l'Italien, troisième de la Grande Boucle en juillet dernier. Je n'ai pas encore une assez bonne forme pour espérer bien faire, mais ici, c'est l'un des derniers entraînements avant des échéances plus importantes. Pendant que Basso multiplie les kilomètres, Jens Voigt et Bobby Jülich ont des objectifs plus immédiats. Après leurs victoires respectives sur le Tour méditerranéen et Paris-Nice, les deux leaders actuels de la CSC comptent bien faire main basse sur le Critérium international. Moi, je voudrais faire quelque chose pour Jens ou peut-être les autres qui travaillent vraiment bien pour moi à Paris-Nice. Mais bon, c'est la course qui décide. Aujourd'hui encore, la course n'a pas souri à Christophe Moreau. Après les ennuis de santé, le Belfortin se retrouve cette fois pris dans une chute collective. Les gamelles, j'en ai eu, j'en aurai encore. C'est juste un mauvais coup. Je vous dis, c'est encore plus l'équipe Crédit Agricole qui malheureusement était handicapée là-dedans, plus que, je dirais, un gros coup personnel. Comme d'habitude, la première étape du Critérium se termine au sprint. Victoire de l'Espagnol Isaac Galvez devant l'Allemand Eric Zabel. Demain, place à la course de côte. Jens Voigt et Bobby Jülich seront enfin sur leur terrain. Et demain, suite et fin du Critérium international à 16h10 sur France 3, juste avant les championnats du monde de cyclisme sur piste à Los Angeles. Enfin, à 20h10, objectif olympique spécial piste dans les starting blocks avec deux flèches bleues qui affolent les chronos en ce moment. Je veux parler de Ladji Doucouré et de Ronald Pognon. Le lapin de Pâques n'a qu'à bien se tenir et je vous laisse avec des images du Spi West France. 500 bateaux, 3500 marins et 12 nationalités dans la baie de Quiberon pour une série de régate jusqu'au 28 mars. C'est beau, c'est frais. Belle soirée. Salut. Tout le sport avec les magasins But, partenaires des arbitres. Prêt pour le grand jeu ? Tac au tac, gagnons à vie, ça change tout, tout de suite sur France 3. C'est une ville très fermée. Atlantic City. Je peux pas faire d'affaires avec toi. Je veux que tu partes. Grande star et petit truand jouent à la roulette russe avec la mafia. Écoutez, je vous fais confiance. J'ai laissé une fortune planquée chez vous. Le magot ou la morgue ? Vous jouez avec l'argent de Dev, c'est à moi qu'il appartient. Je me suis déjà fait tabasser par des tueurs. Et si je dois encore me faire démolir pour de la drogue et du fric, je veux au moins les avoir, cette drogue et ce fric. Burt Lancaster, Susan Sarandon, dans un film de Louis Malle, lundi à 23h40 sur France 3. Ce serait bien d'avoir un nouveau gagnant à vie, ça c'est bon. Ouais.
Je m'appelle Marcel, j'ai 40 ans, j'habite à Brest, je suis maraîcher. Je m'appelle Sandrine, j'ai 34 ans, j'habite l'Essonne.